On est parti pour cette winner finale, les amis. La winner finale entre M-Bub Silver, la team des joueurs du Nord, Moufi Pulga, la team des joueurs du Nord. Que du Nord, deux jokers dans cette game. Team rouge, team bleu. Bon, M-Bub, bon, il est pas bleu, mais il va être bleu aussi, puisqu'il aura Charizard gris. Il joue que Charizard, donc ça devrait pas poser trop de problèmes d'un point de vue couleur. On est parti pour un BO5 nordique aujourd'hui. On va voir comment ça va se dérouler entre ces deux équipes qui pour l'instant ont performé sur ce bracket. Petit tour à 2v, donc on en fait de temps en temps hein, sur ce stream. N'hésitez pas hein, si vous aussi voulez participer. Les teams qui se sont trouvés un petit peu aussi, même si vous avez personne. On a pu arranger les équipes aussi, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oh, Moufi qui vient de sortir un BO le plus nature au monde! Exceptionnel qualité ce joueur, Moufi qui fait des gros dégâts. Je rappelle quand même, hein, là on a quand même 4 joueurs qui tous les 4 ont réussi déjà à faire de très belles performances de manière générale sur l'île et autres. 4 gros joueurs et qui aujourd'hui se retrouvent online dans ce confinement. On va trouver ce backup du côté M-Bub. Encore une fois, un bien un retour au fond de ledge. Hein. Moufi, il a l'habitude de faire ce petit up sur ledge là. Il aime beaucoup le faire. Et on n'arrive pas forcément à trouver de solution de punish. Oh non, Silver! Silver qui sera posé à côté. M-Bub qui n'aura pas forcément anticipé ni vu ce move. Et qui va malheureusement passer à un autre smash direct dans son adversaire. Et en plus, va se SD derrière. Ah, 2 stocks perdus hein, du côté team bleu là. Un petit peu douloureuse. À prendre sur un BO5, c'est un petit peu moins grave. La tech de Silver, heureusement qu'il a tech. Hein. Il a essayé de punir un side B. Je sais pas si c'était un misfire ou pas, j'ai pas bien vu. Ah, apparemment l'arena crash du côté de Loser Quarter. Coup dur. Coup dur l'arena crash. Relancer votre match. J'espère que c'était pas en plein match. Bon, c'est un Moufi qui va continuer d'enchaîner ses petits up B. Ses petits up B et faire un peu sa vie. En souffrance. Enfin, c'est compliqué si vous voyez en plus. Et en plus derrière on va se louper, on va faire des erreurs, on va se placer mal. Et le donner qui va être trouvé à une quarantaine de pourcents et Joker, même Joker, ne pourra pas revenir. 1-0 pour Moufi et Pulga. Ah ouais, c'est un miroir l'idée. Dommage que ce soit F, au mieux pas H, tu vois, ou 1. Hein, une lettre symétrique, ça aurait été classe. Pulga change ses touches, il change le code. Ok, okay, pas de soucis. Si elle a changé, allez changer vos touches. Il n'y a pas de problème, Moufi. Ah, je m'en prends Pulga du coup. Ah, Silver qui a fait gaffe à son orthographe aussi. Hein. Vous bannissez pour faire plus français. L'arène est buggée à moitié. Ah, vous passez un bon moment, Gesta? Peut-être changer d'host si jamais l'host galère. Essayer de proposer un autre host. On a du counter pick, on a du counter pick du côté Silver. On partira sur un Roy pour Silver, le Cloud qui va être pas Cloud du tout, mais le Joker qui va être abandonné pour ce Cloud. Joker qui restera du côté Pulga, on ne touche plus au Richter actuellement. Côté Team Rouge. Et Silver qui va aller chercher un très cher Roy.
Ok, une perte de FPS. Ça lag pas, mais ça manque de FPS. C'est bizarre. Ça fait un partout actuellement entre Lyoko et la Snatch aussi. Ça avance. Impossible de lancer un match. Essayez de créer un autre host, une arène. Pour ceux qui ont des problèmes. Mais Moufi, qu'est-ce qu'il abuse? Qu'est-ce qu'il abuse? Mais quel gamin, Moufi! Qui nous fait 4000 affilés sur scène? Il s'en fout complet, il sent tellement safe! Changez juste d'host pour l'arène qui bug, sinon on verra après. Sinon, on va faire un lag test sur tout le monde et voir qui bug, quoi. Allez, pour l'instant, on a un stock d'avance pour la team rouge. Cette game est laggy, hein. Cette game est laggy, j'ai l'impression. C'est un peu compliqué. C'est un peu dommage. Les joueurs sont tous dans la même région en plus. Sinon on verra dès que le match sera fini et Thalys verra avec vous. Sinon vous n'avez pas réussi à relancer. Est-ce que le serveur est en train de mourir comme hier? Souvenez-vous, il y a un crash du serveur Nintendo deux fois d'affilée. Heureusement les matchs n'étaient pas lancés. Il se passe quoi? Tout le monde meurt! Alors on a un sauvegarde, c'est pour la team rouge. Il est énervé, il est fou énervé mon fien. Oh le dernier qui va être tellement beau, tellement propre. Pour l'instant en tout cas hein, cette petite partie laggy n'empêche pas la team rouge de continuer d'étaler son jeu. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Et ça ne suffira pas malheureusement, ça va dodge et 2-0. Ouais, c'est un full lag cette game. Hein. Elle a full lag. J'espère que c'était juste cette game, sinon on va faire des tests de connexion, mais je sais pas trop comment ça va passer en 2v2 pour tester. Mbub qui dit, on repart sur DF, mais on fait un autre DF. Ah, peut-être avec moins d'effets, ça pourrait être bien, ouais, genre. Genre DF Kalos, DS. Peut-être pas Smash Ville, non. DF Battlefield, sinon. Prenez un DF Battlefield, hein. Ça peut être bien. Sinon, le DF fond vert, hein. Faites-vous plaisir. Hein. Sur un autre DF pour voir si c'est potentiellement les effets qui font un peu bugger la game aussi. C'est vrai que des fois les maps avec effet, je trouve genre Layla, DF, il leur arrive un peu plus lag. Peut-être à cause des effets en 3. Je sais pas si ça se joue vraiment parce que les effets sont les mêmes chez tout le monde et générés par le script du niveau. Donc logiquement, ça devrait pas avoir d'impact. N'hésitez pas à couper le stream si ce n'est pas coupé, les amis. Faites une petite pause aussi pour performer les connexions. Apparemment ça a pu repartir du côté Volka et Kara le match. Est-ce que la co d'Eli Garouk serait pas en train de mourir à nouveau? À voir. Le match se joue en quarter et ce match-là avance, on est à 2-0 actuellement pour Moufi Pulga. Il ne reste plus qu'une game à gagner pour aller en grande finale. En grande finale de ce tournoi 2v2 on rappelle. Et ce match avance bien hein, aussi. On va pas avoir une loser semi qui va s'enchaîner juste derrière. Par contre, on ne sait pas encore qui sera. Volker, Podgolesta, Garouk, Karasa joue actuellement. Et Thalys Token contre Mr. Stone Yoko se joue. Des matchs qui sont en jeu. Est-ce que les joueurs US ou ex-US vont sortir du côté Yoko n'est plus US
pourrait considérer comme une team US. Ou Volka, Gogeta, les deux joueurs de Smash vont se sentir face à Eli Garrock, qui est aussi ex-US, et Kara, très actif sur chat, Mister Spanyoko, qui sont très actifs aussi au pot. Et régulièrement, on a un counter-pick. Alors là, qui counter-pick quoi? Il y a du ZSS du côté Silver, je crois. Et j'ai pas vu de changement, sinon, à part Sofinal, il me semble. Juste les couleurs qui n'étaient pas les bonnes qui m'ont un peu perturbé. On reste sur les mêmes persos du côté de la team rouge. Juste Silver qui va counter-pick sur un ZSS, les amis. Et bah, ça sera Super Mario Maker. On voulait pas d'effet. Bon, ça sera simple. Ça sera simple. Et là, ça lag plus. Ça lag plus. Donc, on est bien. C'était bien la game qui devait être laggy. Ah. Ou alors, il y a un gros input lag. Non, je ne sais pas. Ça joue. Ça joue. Ça joue, a dit monsieur l'arbitre. Bon, en tout cas, la game visuellement est moins laggy. Par contre, il y a toujours des effets. C'est pas plein. Il y a toujours des effets. Alors, attends, Catalyst finisse son match, Gogesta. Il va voir. Il va venir. GG, t'es le code qui ont battu. Mister Sonny Loco 2-1, match compliqué, GG à vous, Loco et Stone. Hein. Vous avez fait une belle perf aujourd'hui, je trouve aussi quand même. Vous avez fait galérer pas mal de joueurs. Là. Et allez, si tu peux aller voir du coup du niveau de notre match. Avec un smash. Ah, coup dur, Alice, coup dur, coup dur, coup dur. Alors, en tout cas, on va revenir sur la tête finale. Je te laisse gérer l'autre loser quarter, Alice. Et moi, je vais m'occuper de cette finale pour l'instant qu'on caste. Tranquille, mais les smash de héros sont très forts, Calice. Très très forts. Allez, on va trouver pour l'instant. Encore une fois, un beat du côté Mufi. Et Silver qui rentre dans son dernier stock. Silver qui ne s'en sort pas pour l'instant. C'est pour former l'état. C'est pour former. Teste les deux par deux, peut-être, Calice, un peu rapide. Teste les deux par deux. Hein. C'est l'équipe entière, de toute façon, qui prend la sanction s'il y a un problème, donc. Plus rapide si tu fais 2 par 2. Ils peuvent marcher en 1v1 et pas en 2v2, donc autant tester à 3. Bon, c'est vrai qu'après la bite, tu n'auras toujours pas pour l'instant. Bon, on a Evenstock là pour une fois, match plus serré. On va cramer tout le monde, ils sont pas les coups. Comment ça, Mufi? Oh, quel dommage! C'est son teammate qui prend! Mais malheureusement, s'il donne un, il va se louper en plus. On va prendre les stocks des deux côtés. Les deux qui perdent leur stock, ils vont récupérer un stock de leur équipier. Oh là 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 là, oh là là. Oh, le drama de mon fils FBI. Hein. Peut-être en route pour une première win du coup de la team bleue. Ça pourrait faire du bien pour ce match. Le relancer, le qui va être trouvé et M2 qui va se faire. Ça ne tuera toujours pas pour l'instant. Je vais se donner intéressant. Oh, ce type de parfait d'Ambub! Oh, ce coup de cœur! Regardez la joie! La joie de Dressus Pokémon qui est là! Elle a le bras en l'air! Et incroyable type! Oh, la portée! La portée de ce move qui sera parfaitement trouvée. On revient dans le match demain. Ouais, c'est juste une seule game qui a lag, Mufi, ça arrive. Hein. Ça arrive malheureusement. Que t'es juste une game laggy comme ça, de manière complètement aléatoire. Ah, la coup malheureusement qui. La grosse joue la game 2. Ah, et meuf, tu pouvais aussi. Quand ça lag vraiment, on pouvait aussi quitter et relancer le match. Hein. Si jamais vraiment. Ça bug trop. T'as jamais vu ça? Ah ouais. Ah mais les gars, je me dis toujours, j'ai jamais lag comme ça. Au secours. Il y a une frame toutes les 15 secondes. C'est une chain. C'est une chain. Voilà, ça bug complet quoi.
ça bug complet. Ah, ça m'embête, hein, c'est un loser quarter, mais ça m'embête pour vous, hein. Surtout que vous étiez pas trop mal, Carré et Ligaroc. Mais c'est vrai que malheureusement, ça, c'était pas grave du tout. Après, c'était malheureusement prévisible, parce qu'on sait que régulièrement, il y a des connexions. C'est con, parce que quand ça marche bien, vous performez bien, vous êtes bon, et tu joues Ligaroc, t'es bon, mais ta connexion est à l'opposé de ton skill, hein. Et c'est trop dommage. C'est trop dommage. Je pense qu'il n'y a plus personne pour remplacer, là. Malheureusement, on n'aura personne pour remplacer. C'est dommage, c'est dommage. Mais ça sera une victoire. Du coup, Volga, Gogesta, Octeuken et Tailis. Vous jouez en loser quarter par défaut. Dommage, j'ai pas pu jouer. Après, le premier match a été joué et ils l'ont gagné. Donc au moins, on pourra pas dire qu'ils ont plus été en gros avantage. Ils ont réussi à prendre une game. Donc c'est dommage, c'est dommage. Bien joué à vous dans tous les cas. Car tu pourras dire que tu as fait top 6. Alors certes, il n'y a pas forcément beaucoup plus d'équipes, il y en avait 9 d'équipes. Mais dans tous les cas, ça ne s'appelle pas. Et il sera quand même une victoire en loser qui a été trouvée. J'ai une question, genre, ça fait longtemps. Est-ce que vous avez vu le trailer de Flight Simulator à l'époque où il est sorti? Et il y a les specs qui sont sortis récemment. Et en vrai, ils ont mis des specs assez basses pour ceux qui veulent jouer en moins bonne qualité. Je trouve que c'est un des jeux qui s'annonce comme être un des plus beaux du monde. Enfin, après, les maps sont sur serveur. Il faudra 150 Go de disque dur pour l'installer sur PC. Même s'il sera aussi sur Xbox. Pourquoi pas. Bravo, Kara. Énorme. On revient sur ce match, c'est très serré, très serré. On avait 2-0 pour Pulga. La game d'après, ça a bien marché. Là, on repart sur des games qui ne lag plus. Donc, vraiment, on a eu qu'une seule game de la game. Ça arrive, malheureusement, c'est là. Ah, dommage, Mick. Dommage, dommage, dommage. Et là, Mario Maker 2, j'espère que vous allez me faire des mondes et des jeux complets. Hein. Moi, je veux arriver. Je veux avoir. Salut Pierrot, j'ai un monde pour 4 heures de gameplay. Par contre, vous faites des mondes, mais j'ai pas des niveaux d'horreur. Hein. Si c'est injouable, moi je dégage. Moi je veux des niveaux classiques, un petit Mario classique. Ah, oh, ça serait tellement bien. Tellement bien. Le mien c'est du niveau solo, moi je parle d'un jeu complet. Le gars il a dit j'aime pas être un avantage, il a jump dans le vide. C'est vrai ça. Je comprends, hein, je comprends. Je comprends, je comprends. Alors en tout cas, dernier stock pour tout le monde. Mbub, format de triche, il a joué à Fleurizy, il a joué à Bizarre. Il a joué à Bizarre. Ah, des fois il est obligé, hein, malheureusement. Il donne vie pour esquiver le 0 to death et redonne vie fait 2 moves. Ah là là. C'est honteux. Mais est-ce que c'est pas un move du personnage du coup? C'est comme dans Melee, Zelda peut devenir Shake, Shake peut devenir Zelda, tu vois. C'est un personnage, c'est un move du personnage. On l'interdit pas de devenir Zelda quand tu joues Shake. Ouais, Mofi, c'est pas encore bien. C'est dommage, il veut trop faire d'edge guard, j'ai l'impression, Mbub. Alors qu'il pourrait tout simplement essayer de trouver peut-être un 2v1 face à son adversaire. Et là, il y va pas, il laisse trop en souffrance Silver. Il laisse qui partira pour Mofi, malheureusement. Et puis là, il va être solo. Pulga va être solo, mais pas pour longtemps, apparemment, parce qu'on va dire qu'on va faire et 1v1 entre ces deux joueurs. Est-ce que Pulga peut réussir? Soit il y a l'avantage pourcentage, est-ce qu'il peut trouver cette stock ou non? Et même un pouvoir de Dunby. Ah merde! Oh! Silver qui va trouver ce foot tool! Le pierrotage! Le pierrotage de Silver! Incroyable! Oh là 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 là! Silver tellement smart! Ce Dunby! Ce foot tool qui sera sorti de nulle part! La stock partira de 2. Incroyable, les amis. Incroyable. J'espère que vous kiffez cette winner finale parce que là, elle est qualitative. Là, elle est vraiment qualitative. Un petit peu comme la finale, la grande finale hier qu'on a eu au monde des combattants entre Admin et JRN. C'était incroyable aussi. Hein. C'était incroyable. On reste sur DF apparemment. Pas de changement. Ah, on va jouer sans Silver. On va jouer sans Silver. Y a pas de problème. Hein.
On a essayé de gratter, on a essayé de gratter la douille. Bah il a pas pu, Mick, surtout. Il n'a pas pu. Il joue le time out quand il peut. Mais si ça n'a pas d'intérêt... Ah, Game on, on va être en 2D du coup. On va être en 2D sur ce DF. C'est pas ouf d'être en 2D, mais bon, genre pas grand chose je pense pour ces personnages là. En fait, si, peut-être que Dracofeu a, a des moves en XY. Je sais pas trop. Bon, Mbub, tu laisses un peu Silver solo, hein, je trouve. Silver il est dans le neutral et Mbub il continue de bloquer dans stage Mufi. Plutôt que d'aller vraiment déranger Pulga. Le Big va dire que Pulga d'ailleurs lui-même. Dernière game hein, d'ailleurs de ce BO du coup. Juste après, on rappelle. On aura Gogesta, Rolkeropod contre Etaelis Teyoken. Match assez ouf qui nous attend pour cette loser semi juste derrière. On sera entièrement en BO5 hein, pour ces finales. Et vous pourrez aussi retrouver ces finales sur YouTube si j'oublie pas de les faire. Presque full US, Laïs. On va dire US à 90%. Théo ça compte, c'est vrai que Théo ça compte. Hein. Théo ça compte presque. Allez, 5 stocks de deux côtés, on va trouver ce demi sur Silver. Le coup de Bulga, non, on va pas assurer. Parce qu'on s'est dit, attention, il y a une bub derrière quand même. Ouf, ça, c'est... ça se cherche pour l'instant. Teyoken il est pas dans le mood US, je pense. Teyoken il a le niveau d'être US, mais il est pas dans cette même envie de team, malheureusement. Up smash sera puni par Ubi, c'est dommage. Moi je pense on va l'embaucher en tant que psychologue de la team. Il est toujours mascotte, Teyoken, je crois. Je crois qu'il a pas abandonné le côté mascotte. Hein. Ce que j'ai vu, mascotte toujours là. Hein. Mascotte toujours là. Ouais, mais t'as un boulot aussi. Hein. Normal. Alors que la fin de game va laguer encore une fois, malheureusement. C'est un peu dommage. On a pas d'avantage vraiment qui se dessine. Très léger retard pour cent de Mbub, mais par rapport à Pulga. Mais on est très, très serré. C'est vrai que c'est le meilleur et le plus beau. C'est vrai, c'est vrai. Après moi, il est vraiment le meilleur. Est-ce que Teyoken il a fait top 2 à la coupe Carapuce? Tu veux un format de tryhard de jeudi à dimanche? Et ça veut dire que tu fais pas de pauvre? Parce qu'il y a le pauvre vendredi quand même. Comment ça pas de pauvre? Teyoken. T'as encore une semaine. T'as pas besoin d'en faire autant. Tu le sais. Non, mais quoi, la semaine prochaine. On a dit qu'il y avait le MDC la semaine prochaine, donc. Il me semble qu'il y a la semaine prochaine encore. Bon, je vais aller vérifier, je vais aller vérifier l'info. TDS. Ranking. Ça va être quoi le ranking? Je sais pas, je trouve pas les jeux, les dates. Je ne trouve pas les dates. 26 avril là. Comment ça? Ouais mais du coup tu vois, oh mais non qu'est-ce qui se passe là, pourquoi ça lag encore? Ok l'enfer. Du coup Pulga pas du son stock j'ai vu. Mon AO pour cent du côté, avant de pas trouver un bill ou qu'il est Mufi, ce serait un punish direct. Ah c'est dommage il a pas laissé un bug. Oh non, oh non, oh non Mufi la roll. La roll panique malheureusement et ce bill directement qui va faire décoller Mufi 3-2 pour Silver et Mbub. Ah c'est dommage le lag à la fin, on a vu que ça a un peu sauté encore une fois.